Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Je viens juste de déposer Maëlia à l'école. Et là j'ai quelques petites rectifications à faire sur le vlog qui va sortir aujourd'hui, donc le 16. On est le 16 aujourd'hui? Oui, le 16. Vendredi 16. J'ai appelé mon papa pour lui demander de m'amener à plein de campagnes. Je suis à la recherche d'un fauteuil suspendu, comme je vous l'ai dit hier. J'en avais vu un chez Jiffy la dernière fois que j'y suis allée. Par contre, j'en avais vu un, il était noir, il me semble. J'aurais voulu l'avoir couleur bois naturel, vous voyez, en rotin. Donc je vais aller quand même voir à Jiffy, en sachant que j'y retourne demain avec mamie qui a plein d'achats à faire là-bas. Donc j'en profite, j'y vais aussi hein. Si jamais à Jiffy je ne trouve pas le coloris qu'il faut, on essaiera d'aller dans un autre magasin. Donc là je vais regarder sur internet s'il y en a par exemple à Conforama, etc. Pour savoir où aller au cas où j'en trouve pas un à Jiffy. Donc écoutez, je vous amène avec moi et j'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Et voilà, on est arrivé. Bonjour papy. Alors, je crois que le fauteuil suspendu a été liquidé. On l'a vu la dernière fois en fait, mais à ce prix, je pense qu'il a dû vite partir. Il était à 100 €. Je vais quand même demander, mais je crois qu'il n'y en a plus. Alors, je me suis trouvé une petite plante artificielle pour la maison. Ça va faire pas mal. Et j'ai demandé pour les fauteuils œufs, donc ils arriveront d'ici le mois de mars. Donc je vais voir si j'en trouve ailleurs ou sinon on reviendra en mars pour voir ça. Voilà. Et papy il a pris une poubelle. Voilà. Allez c'est parti, on y va. Comment? Je demande à mon papa à quelle heure il doit quitter plein de campagnes pour savoir si on peut faire d'autres magasins. Parce qu'après il va travailler. À quelle heure faut que tu quittes Il est quelle heure là? Et... 10h, 11h moins 20. 11h moins 20. À 15h, il faut que j'aille me préparer. À 15h, faut que tu sois à la maison, quoi. Ouais. Bon, on peut faire encore deux magasins. Ouais, mais quel magasin? Bon, déjà, là, on va à Stokomani. Et j'aimerais bien aller à Zodio, là, qui est juste à côté, parce que j'ai jamais essayé. Je connais pas ce magasin, à ce qui paraît, il est bien. Zodio, c'est pas pour les animaux? Non, Zodio, ah. C'est un magasin de déco, ah. Un peu comme Jiffy, Stokomani, etc. Ah, où on trouve un peu de tout, je crois. Voilà, donc là, on rentre à Stokomani. La première chose que je vois, les Ferrero Rocher en solde. Alors, je voulais voir si je peux trouver ma crème Garnier, mais je crois pas. En tout cas, il y a du Nuxe. Non mais attendez là, mais je rêve là. J'achète les poupées sur eBay, je les paye 20 €, et là je les trouve à 10 € chez Stoco. Il y a de quoi devenir fou quoi. Ce magasin va me rendre folle un jour. Mon papa est allé chercher la voiture, là je lui garde la place. Et en attendant, je vais me manger un petit Ferrero. Allez, c'est parti pour Zodio cette fois-ci. C'est la première fois que j'y rentre. Donc on va voir. Ah d'accord, alors là on arrive dans le magasin. C'était très bien présenté en tout cas l'entrée hein. Ah il y a des poubelles. Papy va comparer, mais c'est trop tard là. Les suspensions. C'est ce style là que j'aimerais pour le salon.
C'est pas mal ça. Pour mettre le savon et l'éponge. On est au rayon fleurs artificielles, c'est trop magnifique. Eh ben, faudra revenir. Hein. Ouh, j'ai touché ça, j'ai vu un cafard dessus. Il y a un petit cafard dessus. Dedans. Berk. Et coucou, on se retrouve, je suis de retour à la maison. Avec mon papa, on a fini de manger les spaghettis à la bolognaise que j'avais fait hier. Elles étaient trop bonnes. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par Zodio. Alors on commence ici avec Zodio. Donc je me suis acheté cette déco pour mettre au mur. J'aime beaucoup, elle m'a coûté 12 € et quelques. Et je me suis pris ce tableau de liège pour le mettre, vous savez, juste là, juste en haut de mon bureau pour pouvoir coller des post-it, des rappels, des trucs comme ça. Il m'a coûté 6 €. Alors, chez Jiffy, donc comme vous l'avez vu, je me suis pris cette jolie plante artificielle. Là, je l'ai mise dans un cache-pot, mais je pense que je vais pas la laisser dans celui-ci. Voilà, elle est dans un pot comme ça en fer et j'aime beaucoup mettre de la verdure dans la maison. Et comme je suis pas très douée pour m'occuper des plantes, je préfère les plantes artificielles. Alors, pour terminer, nous avons Stokomanie. Alors, Stokomanie, en général, quand j'y vais, je fais le plein de jouets, de poupées, etc. pour la chaîne Magic Surprise. Vous savez, je mets en scène les poupées Barbie et c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est très intéressant. Donc, j'ai pris des coffrets de jouets. Oh là là, je me suis pris des Ferrero Rocher aussi, comme vous avez pu le voir. Il y a en ce moment les Barbie Style. Ce sont des Barbie que, en général, j'achète entre 20 et 30 euros sur eBay ou Amazon. Et là, elles sont à 9,90 €. Donc, ça vaut carrément le coup. Voilà, j'ai pris la Barbie Raquel pour ceux qui connaissent. Chica Vampiro pour la petite Maë. Et j'ai pris les poupées articulées. Et on peut leur faire prendre des poses, enfin des expressions et tout. Donc, j'aime beaucoup. J'en ai pris deux pour le prix 7,99 €. Sur Amazon, ces poupées sont entre 30 et 35 ou même 38 € des fois. Donc, ça vaut extrêmement le coup. Encore un petit Ferrero Rocher. Là, il est bientôt 1 h. Et j'allais oublier, donc au final, j'ai pas trouvé mon fauteuil suspendu chez Jiffy. On est même allé à Conforama par la suite, donc il n'y en avait pas. Donc, je vais continuer à chercher sur Internet. Coucou Maëlia. Coucou. J'ai récupéré Maë à l'école et là, on est à Lidl. On est venu prendre des pains au chocolat, des pains au fromage. Trop bon. Et recoucou, on est rentré. Maëlia vient de découvrir sa poupée Chica Vampiro. T'es contente? Oui. Alors, pour ce soir, le petit programme. Il y a papy qui va venir manger avec nous. Yes. T'es contente? Oui. Alors Maëlia, t'enlèves les chaussures et tu vas te laver les mains, comme d'habitude. Et après, on ouvre Chica Vampiro. Et après, on ouvre Chica Vampiro. Donc, ce soir, il y a papy qui vient manger à la maison car il a craqué sur les spaghettis à la bolognaise que je lui ai fait goûter donc à midi quand on est rentré. En tout cas, on va refaire la suite de la bolognaise pour ce soir. De toute façon, c'était prévu. Allez, c'est parti, je vous fais le retour de course de chez Lidl. Alors, on a pris du Coca-Cola. J'ai pris du beurre. Bon, rien d'extraordinaire. Il restait plus que deux smoothies. Enfin, il y en avait trois, dont un qui était déjà entamé, bu par quelqu'un qui ne s'est pas gêné. Donc, du coup, j'ai pris les deux smoothies qui restaient, banane fraise. Il n'est pas ouvert celui-là au moins. Non, ça va. Maëlia a voulu prendre des pains au chocolat, donc je les fais congeler. Et après, je lui fais, moi aussi j'en mange, hein, je vais pas vous le cacher. Je les mets à congeler et ensuite je les ressors au moment voulu. Et les pains au chocolat sont à 35 centimes, donc c'est super intéressant. J'ai pris ce pain-là, il est trop bon, je crois qu'il s'appelle ciabatta ou batiata, un truc comme ça.
Il est trop trop bon, super moelleux. Et c'est l'un des rares pains que quand je le décongèle, en fait, il garde son moelleux, en fait. Donc, il est trop trop bon, j'adore. Deux sachets de bananes. J'ai pris deux tartes normandes, c'est des tartes aux pommes. J'ai pris des petits pains au fromage, ils sont trop trop bons. Voilà, ils sont comme ceci, absolument délicieux. Et j'ai pris du fromage râpé pour papy qui adore le fromage râpé sur les pâtes des spaghettis à la bolognaise. Voilà papy. Bon appétit mon petit cœur. Bon appétit à vous les copines. Alors il est 20h, Maëlia commence à avoir faim. Papy finit à 21h, donc moi je mangerai avec papy et Maëlia, elle mange maintenant. Sur une table complètement débarrassée, je suis très 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 fière de moi. Hein, ça faisait longtemps hein, qu'elle n'était pas débarrassée la table là. Donc voilà, j'ai jeté pas mal de papier. C'est bon chérie d'amour ? Oui. Oui ? Ah oui. La sauce Barilla aux olives, elle est très très bonne. Avec la bolognaise, c'est un régal. Eh oui. Alors Maëlia est en train de coller les personnages de la Reine des Neiges. C'est un livre, enfin un cahier de stickers qui lui a été offert par le papa de Noël. De qui Maëlia ? De Aurélie Saint-Chichi. Eh oui, on lui fait de gros bisous si elle passe par là. Bisous. Ouais, ma fille. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Et bonsoir papy. Bonsoir. Papy qui vient manger les spaghettis. Tu vas manger. Oh, le bisou. Oui. Ça va? Tu vas manger, papy? Ouais. Tiens. Ah, merci. Oui, il est mort. Et ça, je t'ai mis de la soupe. Et c'est quoi ça, la pastèque, ça, non? Oui. Et voilà, le dîner est servi. Bon appétit, papy. Merci. Bon appétit, maman. Maëlia a déjà mangé. Ah, j'ai pas remangé, moi. Là, je mange, là. J'ai fini ton assiette, c'est pas pareil. Maman, elle a fini les restes de Maëlia et maintenant, je me fais ma vraie assiette à moi. Voilà. Donc, ben, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maman, si c'est le cas, oui. C'était pas fini, il fallait que tu montres le film d'horreur. Ah non, on va pas montrer le film d'horreur. Là, il est déjà... quelle heure il est ? À 10h du soir. Non, il est 10h du soir, donc là, on va arrêter le vlog. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. Abonnez-vous, ça vous permet de me suivre plus facilement et c'est totalement gratuit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. 1000 words ain't enough to define the body of, body of, yeah. Got a look and she wants it back. Firing up that body up, yeah, yeah. You think that I want